Hey! Je me doutais que ce papier n'était pas un reçu. Les quais de Brooklyn étaient un dédale de conteneurs rouillés, de vieux crânes pointus entend la tempête. Une nuit comme celle-là faisait fatalement penser à ces hommes, gisant au fond de l'eau, les chaussures coulées dans le ciment. Aucun minotaure dans ce labyrinthe, et quelque part sur le pont de ce cargo, le skipper Bucharon attendait.
devais trouver le bateau de Boris Dime.
La rouille avait envahi les flancs du cargo depuis longtemps. Boris Dime serait à bord. Je devrais d'abord flinguer la moitié de son équipage pour me rapprocher. Les armes devaient être dans la cale, cachées parmi les rails et l'eau graisseuse. Die!
guerrier. Si tu penses que ton père, c'est un sacré menteur. C'est Vladimir. Ramasse toutes les armes et les munitions que tu veux. On se retrouve sur le pont. Tu as eu tout ce que tu voulais? Ouais, j'ai une dette envers toi. Tout ce que tu veux. C'est mon affaire. Quand j'aurai terminé, Punchinello ne sera plus un problème pour personne. Transparent comme de la vodka. Mais si tu as besoin, tu siffles, j'arrive. C'est peut-être le début de belle amitié. Tu as fait un sacré boulot en faisant tout sauter l'autre fois. Même avec cette puissance de feu, je ne pouvais pas atteindre Punchinello dans son manoir. Mais je pouvais espérer qu'il ne rentrait pas une occasion de m'entendre l'implorer, de voir qu'il avait gagné. Ici Max Payne. Je veux conclure un marché. Hey, t'es un homme mort. C'est ce que tout le monde me dit. J'ai ton bateau et sa cargaison. On doit se voir, sinon tu peux lui dire adieu. Capiche? Tu connais mon restaurant? Ouais, je connais. Une heure. Le restaurant de Fuccinello avait connu des gens meilleurs. Dehors, la neige tombait comme la cendre d'un ciel post-apocalyptique. Les choses allaient bientôt devenir très chaudes dans le restaurant. Je savais que j'avais peu de chance de voir Angelo Punchinello, mais je pouvais toujours y croire. Thank you.
Chinello brûlait d'impatience à l'idée de me rencontrer, et moi aussi. Il essayait d'éteindre mes ardeurs avec de l'essence. Truant gardait un réel trésor, la sortie de cet enfer. Vlad avait vu mes signaux de fumée. La Mercedes fonçait vers moi, couvrant presque le hurlement des sirènes. Tu viens? Je te dépose au manoir de Puccinello. Ça marche. Quand tout sera terminé, j'aurai besoin d'un... J'y penserai. La nuit était glaciale. Les lumières du jardin tremblaient nerveusement. La neige tombait comme la mort blanche, avant d'être avalée par l'obscurité. J'avais entendu les histoires sur le trio. Des chiens fous. Ils auraient accroché la tête de leurs ennemis aux grilles du manoir si le Don les avait laissés faire. Puccinello voulait payer. Il comprendrait sa peine. Le truc dans ma situation, c'était qu'il n'y en avait aucun, même si les films disent le contraire. Aucune règle, aucune botte secrète, aucune carte. Ce n'était pas une question d'être bon ou intelligent. C'était le chaos et la chance, et quiconque pensait le contraire était stupide. Tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher, aussi longtemps et aussi fort que tu peux. Quelqu'un avait eu la gentillesse de laisser la porte arrière ouverte et de tuer les gardes. Mona. Je savais que le trio serait entre Puccinello et moi. J'avais lu leur casier, aussi épais qu'un annuaire téléphonique. Personne ne ressortirait vivant. Le froid engourdissant de la nuit m'avait suivi à l'intérieur. À l'étage, le trio allait et venait dans les couloirs du manoir, aussi silencieux que des fantômes, le sang de leurs victimes sur les lèvres. Vince Mugnaio, Pilot Providence, alias Big Brother, et Joe Salem, dit le glaçon. Le pistolet était une masse gelée dans ma main, transperçant ma peau, me glaçant jusqu'aux os. Il est là.
C'est Payne. C'est Payne. Il faut prévenir les gars de là-haut. Il faut prévenir les gars de là-haut. Non, non. Non, personne ne va nulle part. Personne ne va nulle part. C'est trop tard. Sinon, on l'a perdu. Sinon, on l'a Vince, perdu. Joe et Pilate ne l'auront Vince, pas. Joe et Pilate ne l'auront pas. Il ne m'avait pas fallu longtemps pour tomber sur le trio. Le bruit courait que Lisa Punchinello était un peu sorcière. Le tarot sur la table de la cuisine correspondait à cette image. Ce n'était pas mon jeu favori, mais je voulais voir la main que Lisa Punchinello avait lue. La première carte était la tour. Peut-être le manoir. C'était plus facile après. Le diable était le maître de la maison, et j'étais la mort qui venait pour lui.
C'était trop tard pour elle. Tu es un ange, Max. Impossible de savoir s'il s'agissait de Mona ou de sa sœur. Le corps était atrocement mutilé. Ce malade s'était défoulé sur elle. La voir allongée là me faisait penser au corps d'une autre femme, dans un autre lit, à un coup fait renversé. Max Payne. J'écoute. Alfred Wood, vous avez de la compagnie. Un hélicoptère vient d'atterrir dans le parc du manoir. Vous devez vous dépêcher. Plus on est de fou, plus on rit. Vince McMahon. C'en était fini du trio Punchinello. Devant ma porte. Dépêchez-vous. Il vient pour moi. Vous devez vous dépêcher. S'il vous plaît. J'entendais Punchinello commander de l'aide au téléphone. Il aurait mieux fait de faire ses adieux. Punchinello était un coup facile. Dès que je suis entré dans la pièce, il s'est plié comme un 2 devant un flush royal. Attendez, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Je ne pouvais pas refuser. C'est une femme importante. Peut-être au gouvernement, je ne sais pas. Il essayait de gagner du temps. Enfin. Non, je ne lui ai rien dit. C'en était fini du trio Punchinello. Non, je ne lui ai rien dit. Ça bouge pas. La partie est terminée, Max Payne. J'étais désarmé et il était temps que je prenne un second souffle. La mystérieuse sorcière était un vrai barracuda en talon aigu. Un fusil d'assaut encore fumant à la main et une armée d'assassins en costume derrière elle. Quelle joie. Je vais faire d'une pierre deux coups. Tôt ou tard, ça devait arriver. Monsieur Payne. Le moment est venu de vous faire goûter à mon breuvage. Allez, sois sage. La chance était une vraie pute, et je n'avais plus un rond.
Messieurs, nous allons terminer ici. Conduisez-moi à Brooksville. Elle venait de m'injecter une overdose de Valkyrie dans les veines. Je sentais sa fournaise ronger mon esprit. Il s'était évaporé. Il m'avait eu. Je n'avais jamais eu de chance. La sorcière m'avait eu aussi certainement que si elle m'avait tiré une balle dans la tête. Les ombres me poursuivaient. Visage tuméfié, déformé par la soif de vengeance. Elle connaissait mes points faibles, me cernait pour la mise à mort. Le sol devenait une masse gluante de sang vert. Je tombais. La chair des anges déchue.